fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Canal Numérique Télévision, bienvenue à cette émission, votre émission Santé et Société. Aujourd'hui, nous sommes sur terrain, nous allons parler sur un sujet vraiment très important qui concerne la vaccination. Et sur ces plateaux, nous sommes à l'hôpital Asosa Médical et c'est là que nous sommes venus échanger avec notre invité du jour et qui aura l'occasion de se présenter. Sans plus tarder, je vous invite à nous suivre. Merci. Comme je vous avais dit, aujourd'hui nous allons parler de la vaccination, des routines. Et je ne suis pas seule pour décortiquer ce sujet. J'ai rencontré une experte d'ailleurs, c'est elle qui est... dans l'activité en question. C'est avec elle que nous allons échanger aujourd'hui et pour vous apporter la connaissance suffisante sur ce qui est de la vaccination des routines. Mais notre invitée va elle-même se présenter. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Madame Corinne Biya. Je suis infirmière à Asosa Médical chargée de la vaccination. Merci Madame, Madame Corinne Biya, et c'est avec elle que nous allons échanger aujourd'hui sur ces sujets que je vous ai parlé. Tout de suite Madame, est-ce que vous pouvez nous dire, d'entrée des jeux, la vaccination, on dit vaccination des routines, hein? Il y a la vaccination des routines, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je vous rappelle que notre émission est bilingue, quand vous allez parler à nos téléspectateurs, vous pouvez aussi le parler en lingala pour une meilleure compréhension. La vaccination des routines, c'est quoi par rapport à la vaccination tout court? Oui, la vaccination des routines, ça signifie quelque chose, la vaccination qu'on a l'habitude de faire chaque fois. La vaccination des routines, on les fait chaque fois. Chez nous, ici, à Sosa Médical, nous les faisons chaque jeudi, de 9h30 jusqu'au plus tard, 11h30, 12h. Et vous dites qu'ici, vous les faites de 9h30 au plus tard à 12h. Et vous avez dit que la vaccination des routines, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Maintenant, cette vaccination des routines, qui sont concernés par la vaccination des routines? Ceux qui sont concernés, nous avons notre cible de vaccination, notre cible des PEV, ce sont les enfants de 0 à 9, à 11 mois. 0 à 11 mois. Et les femmes enceintes. Quand on parle de femmes enceintes, on femme de 0. Et les enfants de 0 à 5 ans, les enfants de 0 à 5 ans ne prennent pas de vaccin. Les enfants de 0 à 5 ans sont inclus entre, j'ai bien dit, de 0 à 11 mois. Mm-hmm. Notre cible de PEV, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que vous, je voulais savoir, est-ce que d'autres personnes peuvent donner les vaccins aux enfants, disons, de 11 maintenant à 5 ans? 11 à 5 ans, oui. Ce sont les enfants qui ont commencé en retard. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés, peut-être, dans les parents étaient en voyage. Que là où il est né, il y avait pas, on ne vaccine pas. Quand il viendra, il peut commencer les BCG à l'âge de 3 mois. Il peut commencer peut-être les BCG à l'âge de 5 mois. Là, il peut aller longtemps. Mais en cinq ans, on fait les peser, on donne les vitamines A, on donne les mébendazole. Ok, merci maman. En tout cas, et makambozo loba, on lobby bien. Vaccination des routines, ça oubassa la chaque jour. Et que bossa l'ango de 0 à 11 mois. Siko, est-ce qu'on peut savoir, et l'okonini, comment est-ce que bossa la ka, tant que ba maman ba yaka a, l'intention ba maman. Oui, maman, azo tout nandengenin to organizaka, séance de vaccination na biso. To organiser la séance de vaccination na biso lo lenge boyi. Soki mama ye to pesi mbote, to accueillir ye, to zui carte na ye, to classer ba carte, to classer ka bango selon ordre d'arrivée. Oya yaki liboso ye wanande toko yamba liboso. Ainsi de suite. Soki ye to yambi ye, to sali to enregistrer fiche na ye. Na carte na ye na carte ya registre na biso ya enregistrement to enregistrer ye. Ba paramètres ça est belé qu'on a la carte affiche après to pesé yé na maman au to pesé to pesé matéya to yebisié importance totale na poids ya mwana par rapport to évaluer poids actuel na poids au yelanda qui avant ce qui est ça kokita to ko pesé maman conseil wana pe na carte ko pesé to zota la pe po to pesa ka mwana fois à la nuit
nakata pesé tozo bwa kapé parce que ba lobby to sala ka vaccination pa ba te vaccination et kendeke de pair avec la CPS consultation préscolaire na consultation préscolaire il faut na bwa kapé lisu na mwana na tala mwana za na ba rougeur na ba fesse mwana za ba mananzoto na zota la donc na bwa ki ka consultation na biso za ka lisu de ke zo bwa ka na zo bwa ka mwana lisu partout Nathalie, ce qu'il n'y a pas de conseils à donner, n'a pas si maman rendez-vous. Maman a eu qu'on mais ma au besoin d'un vaccin. N'a qu'au tel vaccin à zozoa selon âge naïe. Pour ba âge na âge, ils ont un vaccin en gros. À zozoa quantième dose, à zozoa vaccin nini Nathalie. N'a commis un registre à vaccination parce que tous en a registré à enregistrement à Batunyo ça s'épaisse. Tous en a registré à vaccination. Je n'ai pas commandé un registre de vaccination, n'a pas essayé vaccin, n'a présenté, n'a expliqué dans nos vaccins ni dans nos pays ça y est. N'a pas eu besoin de vaccin oyo, mais fait secondaire n'ango ezaboy. Et puis ça a fièvre, maman faut ça la boyer, 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 n'a boyer. N'a pas sa maman conseil wana. Après qu'on fait savoir le vaccin, n'a pas si maman rendez-vous. Sur les premières doses, n'a pas eu besoin que deuxième dose au Kozoa, na telle date, na PC rendez-vous, maman accueille. Ok, maman. Est-ce que vous avez un peu de temps pour catégoriser le vaccin? Maman, tant que vous avez un peu de temps, le vaccin est un peu de temps. Et puis, ils ont un rapport à la maladie. Oui. Il y a un bon maman, ce qui est un bon petit, c'est le vaccin et le BCG. Le BCG, c'est un bon petit, le vaccin est un bon temps. Et ça vaccin ya yambo oyo mwana zwaka azui BCG na polio otobenga ka polio zéro azui deux gouttes ya poliomyélite na zéro BCG elitaka contre la tuberculose to pesi mwana vaccin ya BCG akeyi to pesa rendez-vous na 45 jours na 45e jour mwana kozwa première dose ya diptéocoque to sana vaccin ya diptéocoque plus hépatite. Diptéocoque et l'itaka contre diphtérie, coqueluche, na hépatite B. Na hépatite na vaccin contre la pneumonie, to benga ango BCG. BCG ango ya mbotama, bazwaka dès la naissance. Vaccin ya mbomwa na kozwa ango wana. Après 45 jours, na 45e jour, aye kozwa. DTC, EP, kuna ezali diphtérie, hépatite, coqueluche. Première dose. À cause de la première dose, il y a vaccin contre la pneumonie, PCV13, et l'itara contre la pneumonie. Il y a un groupe de PSAMAKA en trois doses. Première dose à cause de la 45e jour. Wanape et Longo à cause de la VPO, poliomyélite, première dose. À cause de la Tobakisa, vaccin, il y a Rota. Ils ont lutté contre la diarrhée à Rota, virus. Pour la diarrhée, mingi bana bazo sala, l'épidémie mingi à diarrhée, ils ont la cadine à Rota, virus. Yango, tu as un vaccin, il y a Rota, virus. Tu as un Rota, virus. Et puis ça m'a rappelé en trois doses. Et longo wana a causé un vaccin, misatu, minekutu. Il y a batonga, mi balé. Il y a matanga, mi balé, rota, et puis ça m'a kana matanga. Tu peux ça kango 2,5 cc. Et pas à moana. Vaccin ya polio, tu peux ça ka 2 gouttes. Na mounoko moana meli. Et PCV13, eza ya tonga. Diptéocoque EP, eza pe ya tonga. Et puis ça m'a ka en 3 doses. Azun à 45e jour, après 4 semaines, aye ko soit 2e dose. Après 4 semaines, aye ko soit 3e dose. Mais la 3e dose, to bakisa oba bengi VPI, ezali vaccin contre la poliomyélite mais intégré. Donc poliomyélite ezala na vaccin ya tanga na vaccin pe ya tonga. Ya tonga na pe sa maka na 12e semaine. Potozana 45 jours, 4 semaines après, 4 semaines après moi na kokisi déjà 12e semaine. Azui 3e dose. Tant qu'on reçoit 3 doses, on a batonga wana, le temps on a tikali mwana zo ya pesé.
ozo landela ye, ozo landela ye. Ti a okokisa 6 mois, a ye lisusu na 6 mois, opesi ye vitamine A. Opesi vitamine A, bisonyo soyebi vitamine A e batelaka, mwana kontre babokono, ya misu, ba infection, ma malade, ba biloko e bele bele. Après, na 9 mois de toya ka vaccin, ya rougeole, na ya fièvre jaune. Rougeole, ça lutte contre la rougeole. To benga ango VAR. Ya fièvre jaune, to benga ango VAA. Et pe sa meka, moko to pe si na gauche, moko to pe si na droite, de tonga. Tant que tu as le vaccin, on est à 45e jour. Tu as le maman conseil. Vaccin à 45e jour et c'est la canane. Pas si dans le colon, comme Eza Tonga. Il y a mis balai et pèse à fièvre. Tu expliques à ma maman que fièvre est un vaccin. Et c'est la canane, Mikolo Misato. Dans Mikolo Misato, on a comme la rabana paracétamol. Biso awa na sosa medical tozana tolinga ko manipuler mingi paracetamol ya suppositoire. Po suppositoire eza plus facile à ko manipuler. Moi na koko pesa ye ya komela pe jeter ça. Mais suppositoire tant ozo kota sa mobimba nango ekeyi et sa limba la moko. To pesi ye to paye sa bango suppositoire mingi to sa la na biso paracetamol ya suppositoire à 100 mg selon le poids. A copé ça y est suppositoire moko na tango moko na poko pendant 3 jours mais ce qui fièvre et que au-delà 3 jours wana exali susu vaccin T il faut maman akende ko mona pédiatre conseil to pesa bango ngo wala o kende ko mona pédiatre peto yebisa bango que place wa pesi vaccin yo maman surveillaka e ko ay ko sala nini mbuma mbuma na eloko nini foko sala so ki esali ce qui est sali mbouma, maman, ko sala est le côté, commencez te. Mingi mingi mbouma wana et kende ko se réabsorbe yango moko et sili. Mais ce qu'on moni ke mbouma wana ezo kende, ezo persiste longtemps. Wana ezo na cadre auto bengi ba mapi, ba manifestation post injection. Wana e komi ba mapi, photo landela bien bien. Ba mapi moussous e koko e kokoma e koko sala abse. Mais na biso a na so en tout cas to tikala na no to tikala na te banda na vanda service à vaccination na tikala na ko mona mwana te a na pe to pesa ki vaccin a kende ko sala abse na lokolo en tout cas ma pi wana et tikala ko yela biso te mais s'il arrivait que mwana a sali abse l'abse ba causer la ti et coli ba inciser ba pesi ba kisi et ko sila ils en ont grave te. Ok maman, est-ce que au lobby awa oui merci. Est-ce que après 9 mois, moi na koya esusu kozwa vaccin mususu. Après 9 mois, est-ce que vaccin mususu? Après 9 mois, tant au moins na zoko kisa une année, a kozwa lisusu vitamine A, a kozwa pe lisusu mebendazole. Mebendazole biso to pesa ka eza ba comprimé ya 400 mg. Na moi na oyaza de une année jusqu'à 23 mois. Donc une année et demie, tu peux faire un demi comprimé à albendazole. Pour trouver ça, l'albendazole, la place à mebendazole. Et ça, dosé à 400 mg. Tu peux faire un demi comprimé à Méli, na capsule, il y a vitamine A. Dans un zoco qui s'appelle 36 mois. 36 mois, et ça, 3 ans. Na copé, ça épelle sous vitamine A, na albendazole. Na deux ans, na copé ça est sous albendazole. Maintenant là, ça sera un comprimé tout entier na vitamine A. Mais il faut tout de la rabango car on a pesé jusqu'à 59 mois. Merci beaucoup maman pour la précision Anna. Na banzi ba téléspectateurs na biso bazo landa pe bazo ko retenir ba détail nyonso oyo oso ko pesa sur la vaccination des routines. Alors eloko na ngai na yeba lisusu. Est-ce que ba maman ndenge oza na temps oyo ça na combien de temps na musala oyo na za awo 2002 oui maman sali 20 ans d'expérience na kati ya vaccination. Est-ce que okoki koyebisa biso na temps oyo nyonso oyo ozo yamba ba maman, est-ce que ba maman ba assimilaka facilement ba mateya, est-ce que ba respectaka calendrier vaccinal des enfants?
comme il se doit. Quelles sont les grandes difficultés? Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez souvent avec les mamans qui amènent les enfants ici? Bon, les difficultés, elles sont bouillées. Difficulté à Yambo, mingi ba maman na biso soki akokisi kaka mwana azui vaccin ya 9 mois akimi na ye ake ayaka na ye lisusu CPS te a monika kake mwana azui vaccin esili ake na ye ba mususu pe soka azui 3e dose ya tonga okomona limwe na ye ayeko bimakaka na 9 mois po azwa kaka vaccin ya nini ya rougeole. Mais ngai na pesa ka bango ka conseil to pesa ka bango conseil soka tuni mama rendez-vous prochain nazana tonga ezala te to ndima kaka ni mama tonga ezali po to perdre ba mama te po ba kimate to pesa ka bango kaka bongo tonga ezali po bango ba mona ka soka ye peser ye ka peser a pamba a mona ka ndete komi si j'ai tabou po na ye. Ok, merci maman. Donc, vous avez une stratégie pour vous aider à maman. Bonjour. Bonjour, Nani. Maman Josiana. On a un kilo à PCM pour la moine. Bébé, nous avons un boulani. Nous avons 2 mois. Bon, on a pour la PCM, il fallait un bâton. Ils ont aidé vraiment ma casse. Ils ont protégé Bango contre. Typhoïde, contre mube. Concernant encore ça, ma maman va vendre ici dans la bande. Il y a un vraiment très important pour la bande à Bissot. Et il y a un bango, un bande à Bissot, basé sur la tongate, basé sur la malnutrition, la santé à Bango. Donc, il y a vraiment nécessaire pour la maman va vendre ici dans la bande. Ce qui est bon, c'est que le bosso est bon, c'est que le bon, le caliboso toyaka wa ba bandana biso ba conseil ndenge nini tokoki kozwa soa bana na biso du genre que to protéger bango na ba malili komisane ti mwana za na 2 mois boye kote li banda ya yandaku mi pepe wana ezo créer ba infection na bandoto ta bana ba toli ba pesa biso vraiment ngwana siko soki ba sisi ko pesa bino ba toli. Étape où est lundi et zakanine. Bon étape où est lundi, ils allent étape où yo. Tu bandis c'est quoi? Bah bandeau puis ça bande à bavarcer na bango. Soit bandi bavarcer et puis tu bandis aussi au kende. Moi en oisin 2 mois. Il y a juma angoléni. Azu contre bah typhoïde. Ils ont juste pour et protéger bango contre maladie ou et quoi qui attaquer bana et joyeté. Beauté. Beauté maman. Nain cause du samo en anga vaccin. Moi nous en boule bonne. Azan 2 mois. Siko herboya ka awa ele ka na rendingi ni. Ele ka bien donc ba na bazwa vaccin bien. Non se le ka bien. Na conseiller na ba maman ou ba ba na ba na ba na nda. Ba ya cause du sa ba na vaccin ezo sunga na ma maladie belé na ba buka donc ezo aider ba na biso ezo permettre que ba na biso lobi ba bela té. Parce qu'on a si mama teya, basa akani. Na si mama teya, okoya na bébé na yo, ba pesiye vaccin, ozui carte, ba komelo rendez-vous zongi ndako. En tout cas, ma kamuto, mke ya ma bé ezalate. Moi, na wo awa, zona 2 mois, ba pesiye vaccin ni nani. Azui DTC na polio. Et prochain rendez-vous na yo, ba tchez akon? Eza le 19, ya moi wana. Li na woyasu na bébé na yo, zo vaccin mtoujou. Merci. Ok, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler de la vaccination des routines avec notre maman Corinne, avec maman Corinne Bia. C'est elle qui nous a accueillis ici à Sosa Médical pour nous donner des informations sur la vaccination des routines. Maman Corinne, on lobby bien, vous avez la stratégie, Nabino? Pour na boko benga ba mama. Est-ce que oyebi ke ba mama mususu bazo se plaindre bazo loba to kozwa vaccin mais to zwa ki polio. Pourquoi la vaccination
y a polio et aussi la thé. Moi, je parle là de la campagne. Chaque fois, tu es là. Polio, 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 polio. Et là, quand on a dit maman, wana oyo, a hésité. Oh non, ils ont un vaccin. L'information, le coup wana on a dit autour de vaccin. Oh, ils ont un vaccin, le coup oh, ils ont un vaccin, le bota. Oh, ils ont un vaccin, le coup d'arrivée. Tout ce qu'il y a comme information à l'okuta autour de la vaccination et là on ni okoki koloba na ba maman ba hésite à couper sa bana vaccin pour na ba information l'okuta. En tout cas ngai n'encourage aka ba maman onyo so apesa ba yakana bana bango la vaccination vaccin a pour jusque là poliomyélite to éradiquer ngo na noté pona nini to so so éradiquer ngo te pona ba oyo mingi mingi ba oyo ba boya o ba ngai mwana nga kozwa vaccin te bana mingi bazoza la contaminer na ba oyo bazwa ka vaccin te yango vaccin yango to sala ba campagne si ya une épidémie so ba déclarer épidémie yango to sala ka ba campagne ya vaccination campagne sala ma kaka en cas où ya une épidémie. On va déclarer autant de nombre ya poliomyélite. Il faut va lancer une campagne, il faut to bunda. Pour maladie koti, il faut ko bunda, bi bundeli ezaka kananzela ya vaccin. Na mona na noté place mutalobi ote mutwana bota kité pour azwa ki vaccin. Bisonyo to zwa ki vaccin. To bota e complica ko bota te. To moni pendant mutu te o akufi po azwa ki vaccin o vaccin wala ba yaki nango eza poison ba mindele batindi na mona pendant te mwana azwa ki vaccin ya campagne o akufa po mutazi pa poison il faut ba poison e banda ko se manifester na nzoto na ye to mona nanu te o mutu ba pesa ki vaccin na campagne a banda ko sala ba manifestation o akufi bo na bo eza kaka ba rumeur. Et ça, quand bateau bazo kota kaka po ba déstabiliser pour ba baby sa réputation ya mboka. Okay. Merci beaucoup maman Corinne. Ezaka pona ko baby sa réputation ya mboka. Tantôt tango zako loba awa loba ki que vaccination na milier oh, awe pa na bino bosala ango de 9h30 loba ki au plus tard 12h bokati. Est-ce que okoko pesa biso raison nini? Oyo, oh ba maman, oh ba maman, ça m'a salé belé. Le temps si ça contorsionné à l'ambassade la boue, au moins à 12h et béti. Aya ko bimila wa 12h30. Alors, yebisa biso na intention pe ba maman o bazo ko landa biso et loko nini etinda ke botiaka de 9h30 à 12h bokati. Yebisa bango bana. Bon, activité à vaccination et kokai ko zo journée mobimbaté. Bakoy ko retenir moi si abatu tena moi na batu poka kayaki na vaccin ba retenir yeta mulai wana ezali raison ya liboso raison ami balé biso awa tozana frigo te autre kwai ko garder vaccin en dehors ya frigo et kwai ko umela pe parce que dans le frigo ezana ba thermomètre bazoka température à tout moment. Mais biso a to sana frigo te o sana ba thermomètre to sa na biso kaka ba boîte isotherme ba te ba accumulateur froid na kati yango dezo garder malili ya vaccin na biso donc ezal juste pour to garder chaîne de froid et koko zala rompite pour vaccin koko zala te ke zala ki na malili et comme il sous moto ba accumulateur et c'est des et comme il moto et ko bébé ça vaccin koko ma ko bébé pour vaccin za nan ba microbe atténuer soko za soko bébé et comme il moto au moins te ke tozo pesa bana iloko moko oyo ko sala bango mabe na nzoto. Ah, ok, ça dépend de la préoccupation, Anna. Alors, tu comprends, merci beaucoup. Et ça pour la préoccupation, Anna. Mais alors, comme je suis en train de faire un vaccin, par exemple, je vais un vaccin. Je vais faire un vaccin. Il faut que ça soit un nombre de robots. Pour te faire la bouteille, il faut ici, là, tout ça. C'est quoi le problème, en fait? Bon, il s'agit de quel vaccin? Il s'agit de BCG. Parce que dans BCG, Anna, il y a la cana 22. 20 doses au gros fungola ngote pona mwana kaka manko obwa ka 19 doses tant ozo bwa ka 19 doses wana ça fait quand même aussi mal na place ezo uta na place ezo uta na moko na biso to sala ka vaccin ezo uta musika ezo parcourir ba mboka ebele po ya kokomela biso awa donc na BCG faut ko sala na mwa nombre ya bana bo réunir bo fungoli mbala moko.
vaccin mususu oyo to gardakate ezali vaccin ya rougeole na ya fièvre jaune parce que ça va vaccin moko oyo to solutionna kango tozo solutionner tango tiango tango zo sale la boye il faut mbala moko ko vide ko silisa so en dépasser pas 6 heures du temps vaccin wana auto fungoli et baby mais ndeti ba dite kok ndeti vaccin antitétanique ndeti ba poliomyélite ce qui vraiment pastille de sécurité est bien on peut encore garder ça et réutiliser okay. Merci beaucoup maman alors nangena yeba est-ce que awana asosa médical est-ce que le vaccination y a COVID. Vaccination y a COVID, tout ça na campagne. Il y avait une campagne à source médicale local à ESA centre phare y a Onel, pour nakibiso na vaccin y a COVID. Tout ça y a qui na moment campagne. Mais na routine COVID ESA na noté pas na biso. ESA la ika kana campagne. Tout ça y a la qui première phase na mois avril, deuxième phase soyez conseillé la le 25 du 25 juillet jusqu'au 2 août. C'est aussi ça qui deuxième phase de la campagne à COVID. Ok, merci. Mais il y avait quand même les gens au Bahia qui ont vaccin. Oui, il y avait les gens qui étaient vaccinés. La majorité des personnels la sauce agnon sont basés vaccinés. Par exemple, au Bazoa qui va Johnson, parce que tu as qui Johnson, tu as qui na Moderna, tu as qui na Pfizer. Bah au Bazoa qui Pfizer, Bazali, bah au Bazoa qui Moderna, Bazali qui, bah au Bazoa qui peut Johnson, Bazali. Est-ce que pour intégrer à moi déjà, si je comprends bien le lobby campagne, oui, c'est que nan ne comme intégrer. Nan ne comme nan des routines t, des routines nan nous peuvent assez bien nan nous t, mais na campagne tout ça là qui ango campagne et outa écosi là. Merci maman. Et là qu'on est ni oyo au coquille coloba na ba maman, hein, ba maman au bazo landabiso, oyo, bazo hésiter, koya na bana, ba oyo, bazo kima babi chacha, o ba kima kakilo, ya bana. Et là qu'on est ni koko ebisa bango, message ni noko be o kope sabango pour que lelo oyo ba yo kayo. Et message on attend gozo pe sango, t'as la caméra na biso droit, ba landa ba yo kayo pe malam. Bon, message na copé ça na ma maman d'abord na propos ya vaccination. Les vaccins protègent. Ils ont protégé moana. Et en doko landete ndaku tozwi totse ba porte totse fungola. Kadena wana ils ont protégé ndaku contre ba miyibi. Nzoto ya mutupe moana zo zo vaccin po azo ba maladie belete ba maladie wana ezalo kwa ba envahisseur ba zo ya ko envahir nzoto na biso lelo ma parents moko te akosepela bota ki mwana zaki bien mwana komika ka koka e ko sala bien te mwana parents moko pe akosepela te mwana vraiment mwana ya koka vraiment muto azana ba handicap mingi ba handicap na ba handicap na biso mingi ezalaki ba nini ba nini ba poliomyélite. Parce que poliomyélite et boukaka, tu as bien on a na lingala buka buka et boukaka mout. Par mon côté à kolinga moi na moi ça là qui bien moi na belle car malade ya buka buka par moi na ko sepelate. To moi na oyo azui rougeole. Moi na oyo azui rougeole. Na moi na azui rougeole. Oyo azui ki vaccin. Rougeole ko se manifester ma cassité dans autre moine. Mais moi, je suis un vaccin rougeole, c'est azui rougeole. Quand la rougeole est au sacana, on va bien faire un tuntu. Et vous voyez que ma maman, elle me fait ban et belle na koufa. Et me ban et belle na koufa. Pour rougeole, c'est la raba fièvre. Dans ma fièvre, on a moins à rossi la maquilla. Dans ma fièvre, on a moins à perdre. Vous voyez que convulsé à koufi. Complication, ma rougeole fait moins à rossi la encéphalopathie, on a aïe que koufa. Et on a encouragé ma maman à comme ma ban na bas ou à vaccin. Pour ebunde sanzoto na bango contre ba maladi vaccin ezo protéger ezalo ko la cadena to tse na nzoto pour ata moyibi maladi aye et touti ka ke dendi na ngo na ko la beton maladi leki na ngo pour na ba oyo ba kimaka activité ya consultation préscolaire CPS na CPS ozoyi ba kolanda développement ya mwana yo croissance ya mwana yo ozoyi ba mwana yo par rapport à âge na ye azana poa malamu to azana poa ya bienté na CPS wana ba kopeso ba conseil mwana lo lengeni ni mwana ko kiki ko lia
pomingi tozo mona o mwana lia kana yete ozo lesa mwana en désordre ndoka ndey fallait pas o lesa mwana bongo mais lors à CPS ne bazo yebisa yo ke tala mwana fo aya boye mwana fo azala boye na boye ozo iba pe ozo landela pe po ya mwana yo oko séparate banda o bota mamwa mona mwana batuni o mwana yo apesa ka combien na yebite Olingi kaka va kilo ezo le kana balabala na bino mata kilo mata kilo mususu ezala na ngo ya bien te mais tant ozo ya na yo ke peser na yo e o demander o rien o ye ba peser moi na yo ba landeli yo moi na yo bien bien moi na kokola bien moi na kozala pe mayele so moi na zo lia bien a kozala pe mayele merci beaucoup maman Corinne pour na makambo lobby Moi, je suis vaccin, aza protégé, vaccin et protégeaka, bana, ba maman au bazo kima, il faut ba me marabala la bango, na vaccin, ba zala na consultation post préscolaire, CPS, eza malamu pona bango, eza malamu pe pona bana et pona famille mobimba. Fidèles téléspectateurs, le temps c'est de l'argent, on dit, l'heure c'est l'heure à la télévision. Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'espère que ce que Mme Corinne nous a dit nous a édifié pour ce qui est de la vaccination des routines. Et nous savons que vous allez mettre en pratique ce que vous avez suivi. Et le rendez-vous est pris pour notre prochain numéro. Je rappelle, nous étions avec Mme Corinne de Assosa Médical et c'est ici que nous sommes venus pour échanger sur les sujets en rapport avec la vaccination des routines. Je ne saurais terminer cette émission sans remercier les responsables d'Assosa Médical, le docteur Chamo Alphonse, le directeur général et PDG du groupe de presse Tempête des Tropiques, Scientivier Trinitas FM, tous les techniciens du canal numérique télévision et de la radio Trinitas, et en gros l'équipe de la direction générale du canal numérique télévision. Je vois Moubenga, le DRH, et toute l'équipe rédactionnelle des canaux numériques télévision, je ne vous ai pas oublié. Yves Mukendi derrière la caméra, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, les rendez-vous est donc pris pour un autre numéro, si Jésus ne revient pas. Au revoir.